d'heure. On se retrouve pour la suite, peut-être la fin, je ne sais pas encore, de Pikmin! Pikmin! Allez, Pikmin 2, peut-être la fin. Hop. Attends, là, je viens de me moucher 20 fois là avant de lancer le live. J'ai éternué comme jamais. Définitivement pas la fin? Ah ouais? Parce que là, de ce qu'on m'a dit, franchement, je devrais finir le jeu sans problème aujourd'hui, je pense. J'ai pas dit qu'on allait faire le 100%, hein, j'ai juste dit finir le jeu. Ça se finir ce live, je vais pouvoir voir ça en live et pas en rediff. On verra. Donc nous voilà sur Pikmin 2. Caméra. Mais attendez, mais l'écran. Voilà. Rapprochez-vous. Pourquoi vous êtes éloigné comme ça? Voilà, baissez un peu la tête là. On est bien là. Wow. J'ouvre ma petite canette de coca et on est parti. Tu rembourseras la dette avec les gîtes Snarbeck et un peu d'effort. Ah, donc tu penses que j'arriverai pas avec le gîte? Moi je me disais le gîte c'est tranquille hein. Salut Lolo. Oh, je suis bien là. Je viens juste de rentrer de Paris. Je me suis fait un petit restaurant. Et ben on est bien. On peut jouer tranquillement. Ah, le mode de joueur, on le verra pas. Je me suis enfin abonné à ta chaîne. Oh, merci Lolo! Mais tu t'es abonné quand? Mais quoi? Mais quand? Quelle chaîne? En fait, pas la chaîne Twitch. Allez, reprenons donc. Alors, le gîte Snapbreak. Comment tu dis? Snarbreak? Si je me souviens bien. Oh, le truc est. Ma sauvegarde est devenue rouge. Si je me souviens bien, ça disait qu'il fallait des Pikmin blancs, des Pikmin jaunes et des Pikmin bleus. Mais le machin nous prévient jamais qu'il faut des Pikmin rouges. Donc, YouTube. Ah, c'est bien ça. La rediff ou les autres, les travailler? Les travailler, c'est bien. La rediff, bon, c'est voilà, c'est cool. Mais donc là je vais prendre les Pikmin qu'il faut. Je pense que je vais prendre pas mal de jaunes. Parce que les jaunes j'ai pas envie de me faire avoir comme la dernière fois en mode ouais vas-y t'en prends et en fait t'en as pas assez. Les blancs on va en prendre 15. C'est beaucoup 15 hein. J'espère pas en perdre inutilement. Bon les bleus il m'en faudra plein c'est sûr. Moi aussi je me suis abonné depuis un moment. Félicite-moi s'il te plaît. Est-ce que t'as laissé des commentaires? Est-ce que t'as laissé des commentaires Kiwil hein? Sur la dernière vidéo j'en ai pas vu. On va prendre 30 bleus, 30 jaunes. Désolé. Et des violets. Si je chope tous les trésors, il y a moyen de rembourser la dette avec ce donjon, je pense. Ouais, moi, franchement, je pense qu'on va y arriver. Easy. Non, et même si je laissais un pseudo, rien à voir. Oh, c'est pas grave, j'analyserai ce pseudo et je devinerai lequel c'est. Ok. Alors attendez, je prends tous les Pikmin avec. Comment il s'appelle? Louis? Louis San? Voilà. Olimar Louis. Olimar Louis. Olimar lui, pardon. Il va tranquillement aller chercher le donjon. Hop. Et puis on y va, bébert. Tout se passe beaucoup trop bien. En même temps, on a tellement lutté hier pour se créer une ouverture facile. Alors, voyons voir ça. C'est bien ça. Des blancs, des jaunes et des bleus. Du coup, j'ai pas pris de rouge, là. C'est quoi? C'est justement parce qu'il me reste de la place que j'ai envie de prendre tout ce qui me reste en rouge. Et là, vous allez me dire pourquoi faire. Et bah, au cas où, en fait. Imaginez que j'ai besoin de lancer des Pikmin pour un suicide, pour des combattants, pour en faire d'autres. Putain, j'en ai par contre. Ça fait beaucoup, hein. J'ai pas souvent 100 Pikmin sur moi. Ça fait énorme 100 Pikmin. C'est très agréable à regarder. Je trouve ça satisfaisant. Franchement, voir les 100 Pikmin qui se déplacent, c'est super satisfaisant. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient inventé le concept de Pikmin au moment où ils ont créé le jeu Mario. Vous savez, où tu voyais un cube et il y avait plein de Mario dessus. Moi, je pense que l'idée a
L'idée a popé au même moment. Je sais plus c'était quoi le nom, Mario Cube. À ton avis, et j'ai bien rigolé si t'avais eu de PS5R et Waifu. Ah, merci Lolo, ça fait plaisir ça. Il faut mettre des likes et mettre des commentaires et partager. Franchement, si vous aimez vraiment mon travail, partagez-le parce que je vous assure que ma vidéo sur les Waifu, quand je vois mon nombre de vues, ça me... J'ai même pas fait 200 vues, vraiment ça me déprime. Encore que c'est pas celle où j'ai le plus travaillé niveau montage et compagnie, mais le montage, je le trouve très agréable. Je sais pas, je trouve ça très propre. Donc sans ça, c'est... j'ai très peu de vues, donc vraiment, hein. Ça m'emmerde de réclamer ça comme ça en mode chien là. Mais si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à la partager, hein, parce que c'est ça qui m'aide à ne pas les faire pour rien en fait. Ouverture facile, passe-moi les ciseaux. T'as commencé Rosé... pas du tout, Okiwil. Je pense que je vais attendre que l'anime soit fini. Ça vient de la voilà, c'était ça, Super Mario 128. Exactement, Sonata. Bah, c'est ce qui me semblait, hein, mais ça se ressent. Alors, entrer en saut avec vos Pikmin, c'est trop dangereux de descendre sans Pikmin. Mais Pikmin ils sont là! Ah ouais, donc vraiment, quand tu veux rentrer dans un donjon, t'es obligé d'amener tes Pikmin devant quoi. Désolé, je commande jamais. Ah bah partage alors. Partage et like! C'est la moindre des choses. J'avoue sans te mentir, les autres que j'avais vus, je trouvais le montage un peu cheap. Par contre, celle sur les waifus, c'est du très haut niveau. Pourtant, je trouve pas le montage plus exceptionnel. Attends, mais il y a un Pikmin qui s'est cassé là? Non? Je trouve pas le montage plus exceptionnel que d'autres sur les waifus, c'est juste qu'il est... Il est propre en fait. J'ai fait quelque chose d'assez simple, je trouve. Genre vraiment, j'ai juste fait un enchaînement d'images d'extraits d'anime, quoi. Et j'ai pas fait de montage ou quoi. Alors que les autres, j'essaie vraiment de faire du montage en mode lol. Celle sur les waifus, c'est vraiment, je... Voilà. Oh, j'ai eu peur qu'il y ait déjà des morts, là, je me serais énervé. Attends, il m'en manque un. Oh, c'est pas vrai. Il est où? Il est là. Allez, on y va, les gars. Oh, putain, je vais l'enculer. Il y en a déjà un qui crève. Mais non. Oh, bah, il va se faire foutre. Il va se faire foutre. C'est bon, un moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Git, Snarbreak. Combien de fois il va reset? J'espère pas trop. Ouais, t'as tort. En fait, on est parti tôt. Du coup, bah, je suis revenu tôt aussi. Dynamique, bien amené, cohérent. Ah, Persona 5, c'était dynamique, non? C'est pas dynamique. Pas dynamique. Le ballon lancé sur Mishima par exemple. Moi j'aime bien le côté de chip. Ah, oh, c'était fait avec amour le ballon. Allez, on y va. Les autres, quand tu mets souvent ta tête et tes réactions en cut, je trouve que ça ne va pas spécialement ou que c'est pas amené de façon fluide et pertinente. Simple à vivre. Ok, ok. Bah je retiens, tu sais quoi. J'essaierai de moins mettre ma sale gueule. Vu que ça te dérange, Kewil. Non, mais je le retiens. Après, je mettrai pas souvent ma tête normalement. Parce que là, c'est vraiment des extraits pris des lives. Comme je me disais, bah, je joue à Persona 5. Des extraits où on me voyait pour faire des remarques en accord avec ça. Mais du coup, ça... Ça n'a d'intérêt que si j'ai joué au jeu en live ou que j'ai des réactions de moi en train de jouer au jeu. Après, il y a des gens qui m'avaient dit justement qu'ils avaient bien aimé le fait que j'alternais avec... Mais je comprends que ça dépend des gens. Et que ça peut nuire au montage en lui-même. Il y a un truc ici ou pas? Ok, là il y a la sortie. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi j'ai un Pikmin ici? Ah, là il y a... C'est ok, une plume à récupérer ici. Très bien. Pour le moment, le gîte se passe relativement bien. Vous allez me dire, il s'est rien passé encore. Et je vous dirai oui, vous avez raison. Et alors? On a déjà tué un Pikmin? Mais c'est injuste, je pensais que ça lui ferait le roulé-boulé. Attends, mais il est si petit que ça, la zone? Ah, mais si elle est petite. Moi, je vous dis. Parce que derrière, on aura des trucs beaucoup plus gros à faire. Là, à mon avis, on commence tout doucement. Mais ensuite, il va être vénère, le donjon, je suis sûr. Ah! Ok. Non, tu peux, mais c'est extrait où des fois, ça fait un peu forcé, j'ai l'impression.
Mais après, c'est moi le souci, je suis exigeant et je suis... D'accord, ok. Bah non, mais c'est bien d'être exigeant en vrai. C'est bien d'avoir tout type de retour. Parce que c'est vrai que justement, bah la vidéo sur les waifu... Ah là, j'ai été au plus clair possible, quoi. J'ai vraiment fait zéro... je me suis pas égaré à gauche à droite en fait. J'ai vraiment été dans le sujet, je l'ai raconté, next. Et justement d'un côté je me demande si c'est pas trop rapide. Après de toute façon clairement quand tu regardes ma vidéo sur la waifu et ma vidéo sur Persona 5, c'est pas du tout le même style de montage hein, et tu sens que l'objectif de montage derrière les deux vidéos n'est pas le même. Donc bah je sais qu'à l'avenir je continuerai de faire des montages du type de l'un et du type de l'autre. Ok, on a tout le monde, on peut y aller. Bon, le premier étage s'est particulièrement bien passé. C'est très cool. Ça dépend des goûts après. Pour te motiver, Dazer, il y a 7 étages dans cette droite. Bah ça va alors. Je vais revoir celle de Persona 5 pour voir... Je remets... Non mais Kiwi. Oh le pauvre. Le pauvre. Mais non mais Kiwi. Mais non. Bah mais un, eh, mais un like au moins. En plus, j'ai... Alors... Je sais que vous vous en fichez peut-être, mais celle de Persona 5, hier soir avec Mijanox, on a refait la miniature. Parce que du coup, je suis passé à... Moi, en fait, mes miniatures, pour l'anecdote, faut savoir que les vidéos, je les faisais tout le temps. Moi, tous mes montages, je les fais avec Photofiltre Studio. Et depuis que j'ai eu Adobe Premiere, pour les écritures, parce que Photofiltre Studio, gère très mal les textes, tous les écritures, je passais par Adobe Premiere. Et puis, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant passer par Photoshop. Enfin, c'est Mija qui a insisté pour ça. Mais on m'a dit, tant qu'à faire, bah, passe par Photoshop et arrête de faire chier. Du coup, maintenant, je suis passé sur Photoshop. Pour les montages de mes miniatures. Et j'ai refait celle de Persona 5. Et Dragon Quest aussi, mais le best of Dragon Quest, parce que le problème c'est que c'était peut-être un peu trop vague, on sait pas ce que c'est, c'était un peu moche. Et en plus, en fait, c'était juste un screen de l'intérieur de la vidéo, je m'étais même pas réfléchi à faire une miniature. Du coup, voilà, j'ai refait celle de Dragon Quest et celle de Persona 5. Et franchement, bon, celle de Dragon Quest en vrai balèque, parce que voilà, tu sens que je me suis pas fait chier. Mais celle de Persona 5, je trouve que la nouvelle miniature est très très cool. Après, j'ai gardé l'inspiration de la première. Bon, alors là, je suis sûr, il y a un Pikmin qui peut débloquer des pièges, non? Des trucs cachés, c'est sûr. Non? Attendez. Y a rien à déterrer, c'est bizarre cette zone là. Moi, je trouve ça louche. Bon bah allons-y. J'aime bien le fait que dans ce donjon-là, on ait plusieurs environnements pour le moment. Genre que ça passe d'un l'un à l'autre. C'est cool. Oh les connards. Non, non. Oh je vais te baiser, je vais te baiser. Ah, il m'a énervé. Fuis-toi au détecteur. Ouais, mais on sait jamais. Moi, ça ne me contente pas, le détecteur, il m'en faut plus. Les gars, par contre, prenez ça. Là... Oh, je le sens pas du tout, cet endroit. Très bizarre, ça. Putain, je le savais en plus, mais j'ai fait exprès de m'écarter. Ah non, il m'en a pas eu un, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a croqué dans le vide? Attendez, hop. Vous, là-dessus. Vous venez avec moi. Non, 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 non. C'est bon, il a tué personne, je crois. Oh, je l'ai bolos. Ok. Il était stun. Ça se passe bien pour le moment. Franchement, là, on se débrouille bien, non? Vous me direz, c'est pas très compliqué, mais...
Attendez, qu'il n'y ait pas de détecteur. Non, c'est bon, il n'y a rien de caché ici. Ok. Ok. Parfait. Alors, attendez, vous dites quoi? Ça n'a pas du rendre, j'en sais rien. J'ai pas mis le R pour la rime. Phytodétecteur, t'es presque à l'extérieur. Bah là, on vient de rentrer, quoi. Un sauve-qui-pou sauvage est apparu. Sauve-qui-pou. Je trouve pas qu'il ressemble à sauve-qui-pou. Sauve-qui-pou, c'est le machin blanc dans Soleil et Lune, non? Non, c'était pas Persona 5. Elle était très bien, celle-là, la vidéo que j'avais trouvée de cheap, était sur Dokkan Battle. Alors, Kiwil, moi, déjà, faut savoir que cette vidéo, j'ai adoré le montage. Mais il est fait par El Sandfous, celui-là, c'est pas moi qui ai fait le montage. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le montage de Dokkan Battle. Après, les vidéos invocation type Dokkan Battle, c'est pas des montages à prendre au sérieux, Kiwil. Genre, en fait, quand je l'ai fait... Bon, celle de Dokkan Battle, c'est pas moi qui l'ai fait, mais pour le coup, je l'ai trouvé très bien. Mais c'est El Sandfous qui voulait la faire parce qu'il faisait chier. Je trouve qu'il a fait du très bon travail, hein, personnellement. Mais... Pour l'anecdote, en fait, les vidéos invocations sur des jeux mobiles, mais c'est des vidéos, je cherche pas à faire un truc propre ou quoi. Je veux juste que quand les gens la regardent, ils passent un bon moment et ils la trouvent amusante, tu vois. Il y a vraiment pas d'objectif derrière où je me dis putain, je veux que cette vidéo, les gens ils aient envie de la revoir à l'avenir et qu'ils se disent putain, elle est excellente. Mais celle sur Persona 5 et Waifu, tu vois, ces deux vidéos là, et même celle sur Tenkinoko avec le recul, j'en suis un peu. J'en suis pas fier en fait. Je la trouve un peu mauvaise par rapport à Waifu et Persona 5. Mais Waifu et Persona 5, tu vois, c'est des vidéos où j'en suis très très fier et je me dis putain, je voudrais que toutes mes vidéos soient de cette qualité là quand je fais du montage. Mais c'est l'objectif, hein, c'est pour ça que j'essaie de m'améliorer petit à petit. Et quand on compare par exemple ma vidéo sur Free que j'avais fait au tout début de la chaîne et maintenant, je trouve que tu ressens quand même bien l'amélioration et c'est pour ça que je suis très satisfait de l'évolution que j'ai sur cette chaîne en termes de montage. Mais du coup, si t'as pas aimé la vidéo montée sur Dokkan Battle, je pense que t'en aimeras aucune sur les jeux mobiles, hein, parce que c'est toutes du même genre. Mais je comprends que ça te plaise pas ce genre de montage. C'est pas un truc qui se veut être qualitatif ou quoi, enfin, il y a quand même, tu sens qu'il y a de la volonté de faire un truc bien, mais je cherche pas à faire un truc où je me dis, putain, cette vidéo elle est incroyable. Ok, je dis pas qu'elle est mauvaise, je sais que faire du montage vidéo ça prend pas mal de temps et ce n'est pas facile, mais je sais que j'étais passé à côté de l'humour, ouais je comprends. Là-haut il y a sûrement un truc secret. Retourner chercher les Pikmin. Oh là là, les 5 ans meilleurs multi de ma vie sur Dokkan. Tator, je t'avoue que j'ai fait les multis ce matin sur Dokkan. J'ai pas filmé, je m'en bats les couilles. J'aime pas assez Dokkan pour ça. Et mec, bah moi j'étais content parce que j'ai réussi à avoir les deux LR. Genre, en fait, au total, j'ai même eu 4 LR. J'ai eu le seul LR que j'avais déjà. Le Goku et Vegeta fusionné orange. Orange ou jaune? Bref, c'est pareil. Le jaune quoi, je crois que c'est agi. Bon c'est cool mais je m'en fous un peu parce que je vous avoue que j'avais déjà le violet. Et j'ai eu Gogeto et Vegeto. Donc je suis très content. Mes Team Fusion et Potala vont se compléter. Mais bon, après j'avoue que Dokkan Battle j'y joue plus des masses. Donc en vrai je m'en bats un peu les couilles. J'avais pas grand intérêt quoi. Dokkan Battle c'est... Limite même la vidéo sur Dokkan Battle, vous voyez je l'avais filmé à la base. Parce qu'on m'avait souvent demandé de faire des vidéos Summon sur Dokkan Battle. Et Dokkan Battle, c'est pas mon jeu mobile de la vie, quoi. Bah alors, les gars, y a rien là-haut, vous allez me dire? Mais c'est pas possible. Mais non. Y'a rien? Je me suis fait bouillir, là. Celle de Waifu et Persona 5 sont goldées pour moi. Bah, ça me fait plaisir, alors, Kiwil. Parce que celle-là, oui, y a vraiment du travail derrière et... Oh, putain. Et voilà. Celle-là, je les ai taffées et l'optique, c'est que toutes les vidéos soient de cette qualité-là. Mais évidemment, ça peut pas être le cas parce que sinon, je pourrais pas produire des vidéos aussi souvent. Et déjà, il me faut la motive aussi et les sujets. Et... Mais c'est pour ça, Sogé m'a donné l'idée de le faire. Ça, je vais le faire du coup. C'est prochainement, il y aura une vidéo sur pourquoi j'aime la VF. Ou pourquoi je regarde mes animes ou mes séries. Enfin bref, un truc qui parle de la VF parce que j'ai envie d'en parler. Parce que la remarque de Sogé qu'il avait fait hier m'a interpellé. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai envie d'en parler. Pourquoi est-ce que moi j'aime la VF? Et pourquoi est-ce que je veux toujours voir mes animés en VF? Parce que, bah... Ah, on peut passer comme ça, d'accord. Il y a des gens, ils aiment pas forcément la VF, ils trouvent que c'est pas bien et tout. Bah moi, j'aimerais bien développer pourquoi j'aime bien ça, du coup. Ça a pas vraiment d'intérêt, mais bon. Une petite vidéo personnelle qui sera rigolote, quoi.
Quelle remarque. Sogame m'avait dit, moi je mate jamais mes animes en VF, je sais pas comment tu fais d'Azor. Et pour moi, les gens qui matent des animes en VF, c'est des gens qui savent pas lire. Quand tu, et genre il disait, quand tu sais lire, t'as aucune excuse pour pas mater tes animes en VOST. Et moi justement, je lui disais, je suis pas d'accord, parce que bah, je vais donner mon développement dans la vidéo. En vrai, je l'ai déjà donné hier, mais voilà. De toute façon, je ferai une vidéo bien écrite là-dessus. Enfin, bien écrite, j'ai pas grand-chose d'écrit à dire, mais bon. Je sais même déjà tout ce que je vais dire, en vrai, donc. Oh là, il me manque des Pikmin, là. Mais ils sont où, là? Ah, ils sont là. Un, deux, il m'en manquait que deux. J'étais pas là hier. Ah, oh, Kiwil. Alors, comme ça, on rate des jours. On se prend des vacances. T'inquiète, tranquille. Oh non. La VF, quand on est dit, c'est la vie. Quand on est dit. Oui. Traître. Moi, je fais partie de ceux qui sur les animes seulement ne peuvent juste pas voir la VF. Ouais, je comprends. Je comprends les points de vue après. Moi, juste, j'ai envie d'étaler le mien sur pourquoi moi j'aime ça. D'un côté, je comprends, je trouve que les Japs mettent des émotions tellement fortes dans leur voix. Chose que les FR sont incapables de faire. Après, je comprends aussi ceux qui aiment voir en VF et je respecte. Bah déjà, le jeu d'acteur japonais et français n'est pas du tout le même. Hein. Parce que dans les animes japonais, évidemment, il y a un jeu d'acteur japonais qui est lié à des mimiques japonaises. Genre de mimiques qu'on n'a pas en France. Et du coup, évidemment, localiser ça... Un nani ? En français, ça peut pas. Enfin, tu vois, tu fais pas quoi ? Ça serait trop bizarre. Du coup, t'es obligé d'adapter ça différemment et des fois, ça rend pas forcément. Parce que c'est très compliqué, quoi. C'est très très compliqué et même souvent, les problèmes viennent même pas des doubleurs ou des choix de doubleurs, mais de problèmes encore au-dessus que des fois, le directeur artistique ne peut pas régler. Enfin, vous vous rendez pas compte, hein, le nombre de problèmes qu'il peut y avoir dans le doublage français parce que c'est un secteur dans le métier, de métier qui est très mal foutu au niveau de comment il fonctionne. Hein. Mec, dis-moi tout, mec. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de faire du coup parce que ça, j'ai jamais fait, et je m'étais même jamais posé la question, mais je pense que les choix seraient très vite faits de ma part. Mais j'avais envie de faire une vidéo de mes doubleurs français préférés, du coup. Qui sortirait peut-être pas longtemps après. Ça marche tellement, une CEO qui pleure, un ado qui s'énerve, ça te donne des fils, juste à la voix. En français, c'est vraiment très compliqué pour certaines choses. Bizarrement, sur les films et certains jeux, c'est très réussi, mais sur les animes, non. Mais je suis d'accord que sur les animes, c'est très compliqué de rendre de faire quelque chose de correct. Après, ça veut pas dire que c'est pas possible ou que ça... Voilà. Il y a des animes qui font de l'excellent travail. Mec, oh là, oh là. Récemment, j'ai vu une vidéo d'anglais qui joue à des jeux vidéo et il parle exactement de ça, du doublage, et qu'ils peuvent pas faire comme les Japs à l'oral, alors que les boîtes de doublage forcent un peu le truc et se donnent le doublage nage. C'est vrai qu'en anglais, je trouve que les doublages anglais font plus l'effort de respecter le jeu d'acteur Jap que les doublages français. Et c'est pour ça que souvent les gens, ils disent, ouais, moi le doublage anglais c'est impossible sur des animes. Là où ils y arrivent. Parce que vraiment... les anglais, eux, ils veulent vraiment respecter le jeu d'acteur Jap. Et c'est ridicule, tu peux pas respecter le jeu d'acteur Jap dans une autre langue. Parce que bah justement, c'est lié à leur quotidien, c'est lié à leur culture et leur manière de s'exprimer. Chose qui n'est pas le cas pour nous. Et nous, on est obligé d'adapter ça à la nôtre. Si ça peut passer. Ah bah après, je dis pas que ça peut pas passer. Hein. Mais je dis juste que c'est différent. Il y a un Pikmin. Oh mais non, il m'a tué des Pikmin, l'enfoiré. Ah ici, on aura forcément des morts, on va pas se mentir. Hein. Mais butez-le, les gars, il a un PV. Pourquoi vous le butez pas, il a un PV? Ah merci. Il est mort, là. Il est pas mort. Mais il a un PV. Ah merci. Au Japon, les doubleurs, c'est limite des rockstars. En France, on est aux fraises. Un peu. Et on met des youtubeurs et des rappeurs. Bah, c'est le Star Talent. Après, le Star Talent... ce qui est vraiment terrible avec le Star Talent, c'est ce qu'il faut dire. Il faut se dire un truc, c'est qu'ils mettent des stars pour faire de la com sur une œuvre.
Exemple, je sais plus comment il s'appelle le mec là qui double à chaque fois le poisson dans Nemo. Même si lui il fait du bon taf, hein, on va pas le critiquer là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils mettent des personnes juste parce que c'est des gens connus pour vendre un anime, un film, une série en star talent. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le star talent, il a volé le travail de quelqu'un dont c'est le métier. Le star talent, lui, c'est pas un acteur. Il a pas forcément fait d'études pour apprendre à jouer la voix. C'est pas son métier d'être doubleur. Donc lui, il va voler le métier. Donc quelqu'un, c'est le réel travail de faire un travail de qualité. Après, évidemment, qui peut être discutable parce que tout le monde n'apprécie pas la VF, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas s'étonner si le star talent, le rendu est mauvais et que c'est juste fait pour faire de la com, quoi, parce que bah, c'est l'objectif. Et c'est dommage. La com avant la qualité, ça me dégoûte, bah je comprends. Hein. La dure vie pour atteindre le max de personnes. Ouais. Après, d'un côté, vous voyez, on peut avoir ce mode de pensée-là. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, et c'est là où moi je trouve qu'il y a un problème dans le doublage français en général, et c'est pour ça qu'ils pourraient clairement essayer de mettre plus de pognon dans ce secteur. Mais déjà que c'est un secteur qui rapporte quand même pas mal de fric, à mine de rien, parce que tu doubles à Disney, t'inquiète pas qu'il y a du pognon qui est amassé derrière, à gauche, à droite, partout. Là. Mais moi ce que je trouve incroyable, c'est que quand tu regardes dans le doublage français, que ça soit, même si tu prends en globalité, que ce soit les films, les séries, les animes, tout, finalement... Tu fais très vite le tour de tous les doubleurs français qu'il y a. Et très souvent, t'entends les mêmes voix. Et je suis désolé, mais moi maintenant, il y a des doubleurs français, je peux plus les entendre. Quand j'étais petit, j'étais fan d'eux, je ne peux plus les entendre. Genre, je les trouve insupportables. Je suis désolé, mais pour moi, Donald Renew, je ne peux pas l'entendre. Ça m'insupporte. J'entends sa voix tout le temps, il est trop reconnaissable. Il fait tout le temps le même genre de jeu d'acteur. Enfin, en tout cas, je trouve dernièrement qu'il a de plus en plus de mal à se renouveler dans ce qu'il fait. Et j'apprécie vraiment pas entendre Donald Renew. Ça m'insupporte. Là où quand j'étais petit c'était mon doubleur préféré, mais c'est plus le cas maintenant. Et je trouve ça dommage parce que bah, t'as tellement peu de différents d'acteurs dans le doublage français que tu fais vite le tour. Et c'est là où tu te dis ok, il y a Star Talent, ok le Star Talent qui prend le taf d'un vrai acteur, mais en attendant, ok il aurait pris le taf d'un vrai acteur, mais vrai acteur qui double déjà sur tout ce qu'on entend partout. Après c'est plus compliqué que ça aussi, hein, parce qu'il y a des boîtes de doublage, donc les boîtes de doublage vont contacter tel doubleur ou tel doubleur ou tel doubleur, parce qu'ils se disent que ça peut passer pour la voix, parce qu'ils sont copains avec un tel, enfin c'est très compliqué, il y a plein de choses à prendre en compte. On peut pas juste se permettre d'arriver, de dire oui alors le doublage français c'est mauvais parce que ça, derrière il y a tellement d'éléments à prendre en compte. Après t'as le droit de pas, si tu dis juste que t'aimes pas le doublage français, y a pas de problème, hein. Mais si tu commences à critiquer, faut prendre en compte que derrière il y a énormément d'éléments qui des fois ne jouent pas en faveur du doublage français. Donald Renew, je déteste, mais Benoît Allemann, il reste un régal. Après, moi, j'ai du mal à me rappeler de tous les noms des doubleurs. Je les reconnais surtout aux voix et aux rôles qu'ils ont joués. Mais j'ai du mal à me souvenir du nom de tous les doubleurs, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Enfin, beaucoup. C'est plutôt ironique, vu qu'avant, je disais qu'on entend tout le temps les mêmes, mais... Il y en a beaucoup, mais c'est tout le temps les mêmes qui ressortent, quoi. Et au final, même en regardant le gros tas de beaucoup, on fait vite le tour. C'est ça que je veux dire. Et finalement, les donjons, le donjon a l'air assez simple et il n'y a pas beaucoup d'étages. Enfin, pas beaucoup, il y en a 7. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque étage est très court. J'ai très soif. Hein. Oh. Pardon. On va faire pire que la graphine. Mais bon bref, voilà. Pour vous donner un exemple de pourquoi le doublage français c'est ultra mal branlé et des fois même la personne qui gère le casting global et qui va gérer les voix pour leur indiquer comment ils doivent doubler, même des fois ces personnes ils ont aucun pouvoir. Parce qu'il y a un exemple très simple. C'est pour la VF, j'avais entendu ça dans une interview. La VF d'Assassination Classroom. Ce doublage français, faut savoir que le protagoniste, l'anime joue beaucoup sur est-ce que c'est une fille ou un garçon. Et dans l'anime, justement, au moment de doubler l'anime en VF, la question s'est justement posée de est-ce qu'on lui met un doubleur français masculin ou est-ce qu'on lui met un doubleur français féminin. Et ben faut savoir que la personne qui gérait les castings s'est dit... On va envoyer aux personnes qui vont valider les voix une voix féminine et une voix masculine, et c'est eux qui vont dire laquelle ils veulent parmi les deux. Le problème,
c'est qu'au moment d'envoyer les audios des voix pour les tests, et ben en fait, ils ont d'abord envoyé la voix masculine, et ils ont pas encore envoyé la voix féminine. Et les personnes qui devaient choisir les voix ont cru qu'ils avaient déjà tout envoyé, et qu'il y avait que ça comme choix, donc ils ont validé parce que ça leur convenait. Résultat, ben on a eu une voix féminine sur le protagoniste de Assassination Classroom. Les femmes se sont plaintes que ça ne lui allait pas parce que c'était une voix masculine. Du coup, ils ont critiqué la VF. Résultat, on dit que la VF est mauvaise pour le protagoniste. Et en fait, c'est juste que bah, la voix féminine n'a même pas pu être testée, étant donné que les personnes en charge de choisir les voix n'ont même pas entendu le choix de la voix féminine qui était proposée. C'est pour ça que c'est le pur bordel, ce genre de secteur. Et pour l'anecdote, c'est dans l'anime Assassination Classroom Kuro Quest que la voix féminine qui devait être castée pour doubler le protagoniste a été mise. Finalement, ils ont pu rendre à César ce qui était à César. Après, un anime en VF, c'est une nuance très faible, donc forcément le budget et la qualité de doublage va avec. Je suis d'accord. Après, encore que ça dépend des animes. Ça dépend des animes. Et il y a des animes aussi où c'est devenu normal que la VF soit de basse qualité. Alors là, je vais sûrement me faire des ennemis en disant ça, mais je vais vous demander de mettre votre nostalgie de côté et de réussir à vous donner un avis objectif sur la chose, mais disons-le, et là je vais vraiment avoir une mésentente avec des gens, mais le doublage français de Dragon Ball Z et tout ce que vous voulez Dragon Ball, il est pas ouf, il est même mauvais. Moi je trouve que le doublage français de Dragon Ball, il est mauvais. Alors certes, il y a quelques voix qui sont emblématiques. La voix de Vegeta, elle est parfaite et elle lui colle bien. La voix de Goku adulte, elle est parfaite et elle lui colle bien. Je suis désolé, mais moi, la voix de Véronique Lecordier, c'est non. Je trouve qu'elle est pas... On la met sur un piédestal. Je comprends pour la nostalgie, hein. Mais moi, je trouve que c'est pas exceptionnel, quoi. Et en globalité, le doublage de Dragon Ball est très mauvais. Évidemment, il y a des voix qui remontent le niveau, comme on est tous d'accord, la voix de Vegeta... En même temps, c'est genre le perso le mieux doublé de tout l'anime, donc c'est normal qu'on ne critique pas la voix de Vegeta. Mais il y a certaines voix, je suis désolé, c'est non. Les animes ont eux-mêmes se vendre, mais le nombre de personnes qui amènent la VF est ultra faible. Et Dragon Ball, vous voyez, c'est l'exception où moi je trouve que la VF est vraiment mauvaise et tout le monde la suce. Alors que bah, t'as très peu de voix dans le tas qui sont vraiment bonnes. Après, en même temps, j'en veux pas aux youtubeurs qui les sucent parce que eux, ils les rencontrent en convention, les doubleurs, et ils veulent devenir amis avec pour se faire des... des contacts. Donc eux, je leur en veux pas. Eux, ils veulent des contacts. Après, ils ont aussi le droit d'avoir mauvais goût. En vrai, je troll un peu. Je pense qu'ils le pensent vraiment. Mais moi, je trouve la VF Dragon Ball pas bonne. Le contexte l'a fait qu'il a apporté des animes en France. Ouais, je suis d'accord. Mais malgré tout, le contexte ne change pas la qualité globale du rendu final, tu vois. Et moi, je trouve que le rendu n'est pas bon. Et ça, les gens font souvent abstraction de ce détail, juste parce que bah, c'est nostalgique, c'est ils aiment cette voix. Et moi, je trouve ça dommage, hein, parce que le doublage français de Dragon Ball, bah, il est pas bien. Tuez-le. Il m'a tué un Pikmin, l'enculé. Oh, un aimant. Bon jeu, Pikmin. Très bon jeu. Y'a pas que sa voix qui est la baisse, César psychologique aussi. Y'a que Piccolo qui peut tenter de rivaliser. En termes de qualité de doublage, tu veux dire? Ou en termes d'écriture? Oh putain, ils m'ont eu un Pikmin. C'est pas grave. On a fait pas mal de... En vrai, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a fait pas mal de plein de blancs. Oh non, les gars, passez pas par là. Non, les gars, vous allez vous faire bouilla. En vrai, ça va. On le défonce bien. Ok. Ça parle d'Honor and You? Non, on a passé le sujet d'Honor and You. On parlait surtout de Dragon Ball, là. J'ai parti de ceux qui trouvent FF7, les Cash, moif, et pourtant le contexte de l'époque fait que je comprends ce succès colossal. Le doublage de Cash, je suis... Attends, tu parles de quoi? Du jeu en... La qualité globale du jeu ou du doublage français? Moi, vu que tu parles d'FF7, je pense que tu parles du jeu de l'époque et donc pas du doublage français. Mais Kingdom Hearts, moi je comprends parce que
À l'époque, c'était quelque chose, Kingdom Hearts. Après, quand ça a évolué, ça a retiré ce quelque chose. En fait, ils cherchaient encore, et ça aurait pu mener à énormément de choses différentes. Et je trouve que ça a très mal tourné, mais bon, ça, après, c'est chacun son point de vue là-dessus. Salut Lambda, Lambda, pardon. Je trouve que, aussi, que pas mal de VF ont des doublages ultra bien, et d'autres qui te donnent envie de crever. Par exemple, dans la VF de Rosen Maiden. Déjà, je connais pas la VF de Rosen Maiden. Je vois ce que c'est Rosen Maiden, mais j'ai jamais entendu la VF, donc je peux pas confirmer ou pas. La voix de Shinku est ultra bien, mais celle d'Ina Ichigo te donne... en gros, tu parlais dans une même VF, les choix de voix qui peuvent être très bien pour ça. Alors moi, j'ai un exemple parfait Lambda pour ça. C'est l'anime qui s'appelle... Putain, la gamine militaire, là, comment c'est quoi le nom ? Tornia the Evil, un truc comme ça. Bref, la doubleuse française de l'héroïne, réellement, pour moi, est vraiment là. Mais je vous jure, le jour où je l'ai entendu, j'ai vécu. J'étais amoureux. Pour moi, le doublage français de l'héroïne de Tanya the Evil, c'est le meilleur choix au monde de voix française pour un personnage d'un anime. La voix choisie... Franchement, l'anime en VF, il est pas ouf. Parce que au début, il y a peu de personnages, et à la moitié, il y a beaucoup de persos qui arrivent, et là, le doublage des autres persos est pourri. Mais juste pour le doublage de l'héroïne... Le doublage français de Tanya the Evil, je suis obligé de vous le recommander parce que la doubleuse française, à elle seule, apporte toute la qualité du doublage français. Il est incroyable. Son doublage, j'ai jamais vu un perso où son travail était autant en accord avec le personnage et la doubleuse. Leur harmonie, elle est parfaite. Ça colle trop bien. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible de rendre un truc aussi bien en termes de qualité. Et à côté, t'as des persos, c'est catastrophique. Du coup, je te rejoins là-dessus, Lambda, pour des voix qui sont bonnes et d'autres pas. Si tu veux, sur ma chaîne YouTube, si tu recherches sur YouTube extrait VF Tanya the Evil, tu tomberas, j'ai mis sur YouTube, sur ma chaîne d'Azur, un extrait de la VF. Avec des trucs cadrés un peu sur les côtés pour cacher les strikes YouTube. Dommage qu'elle soit allemande. Oui, bon, écoute, j'irai check. Yuju Senki, sale, c'est le nom jap, merci. Pour le moment, Soguel Donjon se passe super bien, mec. En fait, les étages sont super courts. Il n'y a pas tant que ça d'ennemis. Franchement, il est trop simple. Alors, peut-être qu'il y aura un boss relou à la fin. Pardon. Excusez-moi. Mais pour le moment, ça passe nickel. On a juste Olimar qui appréciait au dernier donjon, mais... Au dernier étage. Alors, explorons ici. Déjà, ça a l'air un peu plus chiant. Elle est pas allemande, elle est nazie. C'est allez. La fin du donjon est là. Déjà, cette pièce a l'air d'être beaucoup plus grande que toutes les autres. Ça fait un peu Monkey Ball, le donjon comme ça. Là. Attends, mais c'est une pièce avec un boss ou quoi? Elle est trop bizarre la forme. Qu'est-ce que. Il essaie d'appeler mes Pikmin, ce monstre. Ok, il est très dangereux, lui. Il appelle des monstres. T'es encore là, toi? Ok. Les gars, revenez en position. Je sais pas ce qu'il y a à bas. Vous bougez pas. Je sais pas s'il y a des dangers dans le coin. Vous ne bougez pas d'ici. Par contre, toi, tu vas crever. Interdiction de bouger tant que je sais pas si tout est safe. Il m'en manque un. Il est où le con? Il est où le con? Il m'insupporte ce son. Ah, il est là. Ah, le sifflet, le best objet ever. Ah, il va m'être utile alors. J'aurai peut-être plus de portée. Ok, le vaisseau est là donc on peut prendre tout, tranquille. Bon bah c'est cool. Je vais avoir un item craqué. Comme disent les jeunes. Et par jeune je veux dire Sogué. Même si Sogué parle un peu comme un vieux des fois. Allez vous abonner au live de Sogué, il est actif l'après-midi si vous voulez. Si vous voulez des gens actifs l'après-midi et qui aiment bien rager sur la VF. Sogué fait des lives, je dis ça, je dis rien. Ah mais voyez, on avance bien. Vous étiez médisant en mode no dozer, tu finis pas le jeu ce soir. Franchement là, la dette est remplie. Hein. Je sais pas si je termine je sais même pas si je ferai la map bonus, on ira la voir. Comment ça, je parle comme un vieux. Des fois tu es très fermé d'esprit Sogué et ça c'est pas bien. C'est pas bien. Jeune vieux.
Oh, ça, c'est de la bonne, frère. Il mange à travers son scaphandre, mais c'est de la bonne. Ok. Mais pourquoi? Explique-toi. Explique-toi juste. Oh putain de sa mère. C'est bon. Oh putain, je vais le... Je suis pas content. Louis demeuré. Oh dada, il faut faire le boss final, sinon tu vas rendre mon cœur tout triste. Je sais pas, Capola, t'es pas abonné là. T'es pas abonné, pourquoi je devrais faire ça? On verra si je le fais ou pas. On verra, je vais... On va essayer de rush au boss final, mais je... Ouais, bon, on verra. On fera un live exprès pour, je pense. Parce que là, je pense pas qu'on aura le temps ce soir. J'ai essayé déjà Monster Hunter, mais les serveurs veulent pas. Tu joues sur PC ou PS4, Monster Hunter? Pourquoi tu joues sur PS4? Déjà, aller au boss final, quel enfer. De toute façon, si c'est trop chiant, je m'emmerderai pas à faire le truc à 100%. Je m'en fiche. Moi, je veux jouer de chill à Pikmin. Si Pikmin, le boss final ou les trucs, c'est pas en accord avec ma manière de jouer, je m'emmerde pas. Naga! Faut faire le boss final, sinon tu vas me rendre tout triste. Mais t'es pas abonné, Naga, non plus. Naga, j'arrête pas de me dire tous les jours qu'il faut que je te renvoie un message pour te proposer de se voir prochainement. Mais comme je vois beaucoup de gens en ce moment, avec la fin du confinement, bah, je me dis je vais attendre d'avoir un peu de temps libre. Enfin, histoire de me laisser des jours de repos entre temps. Mais j'arrête pas de me dire qu'il faut que je te renvoie un message, Naga. Parce que je t'avais envoyé un message genre avant le confinement. Et du coup, bon, on avait eu ce qu'on avait eu comme discussion. Mais bah, du coup, maintenant que c'est fini le confinement, je me disais qu'il fallait que je prenne des nouvelles. Ça force les pauvres à s'abonner, t'as pas honte d'ailleurs. Mec, les Baozi là. Je te les avais vendus, les Baozi, je sais plus. Je t'avais dit que je voulais t'y emmener, je sais pas ce que c'est, moi. Je t'en avais parlé? Ah mais mec, mais si tu veux, je t'emmène quand tu veux, hein. Ah, oh, j'ai pas été voir les coins là. Bon, on va dire qu'il y a rien. De toute façon, j'ai tout mon étage de fait là. Oui, ah bah mec, mec. Si tu veux, on fait ça la semaine prochaine. C'est un jour de dispo, Naga, la semaine prochaine. On se fait ça un après-midi. Venez sur mon stream. Moi, je force pas les gens à s'abonner. On va aller voir Sogué, mais bon, pas quand je l'avais. Hein. Pas en même temps que moi, quoi. Faites des bons choix. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié des prochains lives, likez et commentez. Et surtout, moi, en vrai, sincèrement, si vous voulez vraiment me faire plaisir, plus que vous abonner à ma chaîne Twitch, moi, les gars, ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube d'Azor Sawato, où je fais des vidéos travaillées, ça, c'est vraiment... En vrai, moi, faut savoir que je prends plus de plaisir à poster des vidéos. Genre, j'ai tellement de satisfaction quand je poste des vidéos sur YouTube. Moi, je suis vraiment plus YouTube que Twitch. Mais bon, dans les faits, il y a plus de retours sur Twitch que YouTube, donc, bah... À un moment, voilà. On va recréer des Pikmin blancs. Quoique, s'il n'y a pas des violets dans un coin à faire. Et la zone là m'a l'air un peu. On va y aller tout doucement quoi, pour pas prendre de risques. Mais Naga, les Baozi, c'est. Il n'y a pas de problème. Moi, les Baozi, c'est vraiment un restaurant que je recommande à tout le monde et où j'ai envie d'emmener le plus de monde possible. Oh putain, l'enculé de bordel de merde. Parce que c'est. Ce que j'adore avec les Baozi, c'est que c'est. En fait. Le goût est original, c'est-à-dire que c'est des saveurs que t'as pas souvent l'occasion de goûter et que c'est très bon. Et ça coûte vraiment pas cher, donc pour le coup j'aimerais bien que chaque personne ait la chance de goûter des Baozi au moins une fois avant de mourir. C'est un strict minimum quoi. Aïe aïe aïe, il m'a bien bolos mes Pikmin lui. Ok. C'est quoi les Baozi? Alors, Sogué, en gros, les Baozi, c'est des pains à la vapeur chinois fourrés avec... bah moi, mes préférés, c'est au porc laqué. Après, ça dépend de chacun ce qu'il aime ou pas, mais tu as divers fourrages dedans. Et moi, mon préféré, c'est vraiment le porc laqué. Je trouve que les Baozi au porc laqué, mec, c'est exceptionnel. T'en as forcément déjà vu. Vas-y, go. Bien sûr, je suis dispo. J'ai plus de taf depuis le confinement.
Ah, j'espère que ça va s'arranger. Bon, on en reparlera à l'oral, Naga, du coup, on se verra. Mais j'espère que tout s'arrangera pour toi. Parce que tu m'avais montré ce que tu faisais comme travail. Si vous recherchez des gens qui font de la très bonne modélisation 3D, les gens... Hein. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises. Ou de l'animation 3D, je sais plus. Bah, ou alors les deux en même temps. Demandez à Naga. Naga fait du travail exceptionnel. Il m'a montré ce qu'il faisait. Il m'a montré, il m'a dit, regarde, regarde, je suis peut-être pédé, j'ai pris en vidéo la forêt. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Hein. Oh, je ressors des vieilles private jokes. Il a dit, Matmat, j'ai été prendre une vidéo d'une forêt. Il m'a montré la forêt. Et il y avait un immense tank qui passait au milieu. Et il m'a fait, Matmat, tu vois ce tank là? Je l'ai rajouté en 3D. Il n'est pas réel. Et moi, je lui ai dit, on dirait un vrai tank quand même, Naga. Mais franchement, il gère vachement bien. Tu veux dire des raviolis sphériques? C'est pas... Ouais, ouais, on va dire ça. Ah, j'ai envie de t'insulter quand tu dis, dis ravioli sphérique. Tellement con. Oh, oh non, non, non. Revenez. Revenez. Ok, 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 on va faire une séparation stratégique. Il me faut des bleus. J'ai dit des bleus. Naga qui a une voix plus drôle que la voix de Kratos. Pas de les amis. Oh putain. Il est où? Il est où? Il est où? Oh putain l'enculé. Mais quoi? Mais il nous fait quoi là? Foncez lui dessus! En vrai, il est tout nul ce monstre! Au premier abord, il a l'air casse-couille. Non, en vrai, ça va de ouf. Attendez, je me concentre un peu. Je vous parle, je vous parle. C'est pas ça qui va m'aider, hein. Yes! Ramenez son cadavre. J'ai des choses à faire avec. Il y a un objet ici. C'est pour ça qu'on peut faire des Pikmin bleu bardou. Mais le jeu il est court si tu le finis aujourd'hui. En fait il y a le 100% et il y a la fin banale flambie. Et le 100% par contre il est pas facile. Hein. Parce que mec je peux te dire qu'il y a des niveaux, quand je les ai vus j'ai fait je fais pas ça à 100% les gars. C'est mort. Disons qu'en fait moi ce qui m'énerve c'est que Pikmin 2 il est pas prise de tête, mais il est beaucoup plus sévère que le premier, je trouve. Et j'aime pas trop ce qu'ils ont fait de du jeu en tant que tel. Dans le premier, j'aimais beaucoup le côté tu dois survivre, tu dois réussir à te faire une armée de Pikmin et gérer tout ça. Enfin, le rendu était super cool. Mais le 2, il y a ça avec un côté dungeon RPG que j'apprécie pas trop pour Pikmin. Donc bon, voilà. Je suis pas très fan du rendu. Mais le jeu reste sympa à faire, mais bon, j'y prends pas le même plaisir que dans le 1. S'il fait le boss de finale, ça reste la fin banale. Alors déjà, moi, je vais faire la fin normale, en mode tu ramènes toute la thune. La thunasse. Et puis je verrai après pour votre zone bonus, là. Donc c'est chaud de trouver du taf en 3D. Ça c'est étonnant parce que... Bah du coup, Kiwil dit que sa pote, avec laquelle il a sûrement radé Tenkinoko, fait de l'excellent travail. Oh merde. Mais Naga aussi fait du super bon taf à mon cœur. C'est chaud, ça veut dire que... qu'importe à quel point t'es talentueux, c'est un métier dans lequel tu te fais enculer pour trouver du taf, c'est dommage. Hein. Pourtant, vu que la 3D c'est en train de se développer de plus en plus, devrait être recherché des modélisateurs 3D. Donc ça, comme je l'ai dit hier, hein, ce monstre-là, je sais qu'au tout début, dans le premier live, j'ai dit que je le détestais. Mais il faut savoir qu'en fait, pris de telle sorte à, en comparaison à Pikmin 1, ce monstre est horrible. Dans Pikmin 2, en fait, il y a tellement pire et il y a tellement de moyens de s'adapter aux ennemis que franchement, ce monstre-là est devenu un des moins relous, en vrai. Non ! Quoi ? Ah mais ils ont été... Moi je voulais qu'ils aillent sur la coccinelle.
Non, non, non. Ah, je suis en train de perdre mes Pikmin bêtement. En même temps, il y a plein d'obstacles de merde qui se mettent sur mon chemin, là. Ça m'aide pas beaucoup, hein, je vous avoue. Allez, allez, finissez-le, les gars. Non, mes Pikmin! Oh, je vais être obligé de refaire des Pikmin derrière parce que mes bleus pourront pas... Ils seront pas assez nombreux pour passer le... les obstacles avec tout, tout ce qu'il y a ramené. C'est bon. Ce bruit, putain. Alors, est-ce que ça, vous pouvez le ramener? Oh, mais non, mais ça va, oui. Il y a combien de trucs, là? Oh, les gars. Bon, commencez par la coccinelle et ce truc-là. On a assez pour ça ou pas? Ok, ok, ça va être la merde. Ça va. Je le dis tout de suite, ça va être la méga merde. Bon. Quoi? Un seul? Ah non, c'est bon, il y a les deux. Ah bah, 4, c'est quelque chose, faut dire. 4, sorti de nulle part ce film. En fait, 4, le gros problème avec ce film, c'est que c'est ultra angoissant, je trouve. Quand tu vois les persos, ça donne pas envie parce que ça fait flipper déjà. J'ai beaucoup de Pikmin blancs, j'hésiterais presque à les sacrifier. Mais en vrai, non, on va y aller. Je pense que là, on peut se débrouiller. Putain, par contre. Les gars, voilà, j'ai pas besoin de toute la famille. Les pauvres Pikmin. Dazer, t'as fleur 1 pour 10 dans l'étage. Ah ouais? Attends. Elle? Non, où est-ce qu'elle est? Une fleur où j'en donne 1 et ça m'en donne 10. En lançant Pikmin dans la fleur blanche et bleue, tu peux faire 5 Pikmin. Attends, attends, quoi? Elle est où? Je l'ai pas vu cette fleur. Blanche et bleue, toi t'es juste bleu. Ah, elle? Ah cool, merci, je vais tester. Alors tu me dis, en lançant un Pikmin à l'autre, ça fait 5 Pikmin d'un coup, ok. Oh là, attendez, faut pas que je me rate par contre. Oh là là, ce travail de professionnel. Oh merci les gars, vous êtes des pros. En partant du principe qu'un pro est très mauvais. C'est 10. Je m'a trompé. Ça y est, Soguet parle même plus français. Ça y est, il fait grève. Allez les gars, mettez-vous bien. Pourquoi ils arrivent pas à se placer? C'est une blague. Mais il est bugué cet item en fait. Voilà, portez-moi ça. On va faire chaque item un, ça va être un peu long. Mais au moins on est sûr d'y arriver sans problème et sans refaire des Pikmin en rab. C'est délicieux cette canette. Heureusement que je te raconte pas ma vie, sinon tu t'en ferais des films. Mais jamais de la vie, Kiwil. Moi je me rappelle juste de la fois où t'as dit que t'as fait des choses en même temps que tu radotes Tenkinoko avec une fille. Le mec il retransforme complètement l'histoire. Il a pas du tout dit ça, je vous rassure. Mais le mec il écoute une histoire, il la transforme. On l'appelle le transformateur. Attendez, je vais juste pousser tous les autres Pikmin. Parce que moi, j'ai besoin que des bleus. Regarde les conneries dans le choix du réel. Genre, faire de la motion capture avec des costumes simplifiés à une seule cam. Même les meilleurs. Tu parles de quel film, là? Cats. Mais Cats, moi, j'ai dit, déjà, ça fait peur. Et personne n'a envie de regarder un truc qui fait peur. Écoutez-moi, ça c'est les conseils d'un pro. 4, ça fait peur et personne ne veut regarder quelque chose qui fait peur. C'est la base.
Allez, on va mettre tous les Pikmin histoire d'aller plus vite. Quoi? Ah, je me dis, ils sont pas capables de monter, ils se foutent de moi. Là. Alors, comment ça vaut ça? Les petites boules là. J'ai jamais goûté ces machins là, la triple menace. C'est comment? C'est des dingos? Ça s'appelle des dingos? Comme dans Clannad, anime de merde. Dingo no Tajobu. Ça a l'air bon les dingos. Attends, quoi? T'es sérieux, Flamby? C'est vrai cette histoire? Cats? Il a été refait pendant sa... Attends, mais mec, j'y crois pas, j'ai jamais entendu cette histoire, c'est une dinguerie, c'est vrai. Mec, franchement, si c'est vrai, c'est une dinguerie. J'ai jamais entendu cette histoire. Réellement développeur de 2013, certes, mais quand même. Ça fait bien 20 ans que le film est dans prévision aussi, putain. Attends, mais c'est vrai, mais mec, je trouve ça dingue. Oh non, il y a du Danone. 17, 18, 19, 20, il m'en manque 3. Bon bah les Pikmin jaunes. J'ai besoin de 3 valeureux volontaires pour devenir des Pikmin bleus. Voilà. Parce qu'il est pas question que je gaspille des violets pour ça. Putain, c'est chaud cette histoire les gars. Moi je trouve ça ouf. Oh mais non, il me fallait pas venir vous. Oh, il m'énerve, il va jamais m'écouter. On dirait mes enfants, mais en... Oh, sauf que j'ai pas d'enfants, ils sont morts. On voit des messages. La bouffe asiatique me manque. Alors, pour l'anecdote, moi je suis retourné à Kodawari Ramen. Nagas, tu te souviens bien, Kodawari Ramen, c'est le resto où on avait été tous les deux. Là, je t'avais emmené... les meilleurs ramen de Paris. Les gars, Kodawari Ramen, c'est devenu une déception. Putain, pourquoi vous n'arrivez pas à monter ça, les gars? Kodawari Ramen, maintenant... Mais ils se foutent de moi, en fait. C'est devenu beaucoup moins bon. Je trouve ça décevant. Ça m'a déçu quand j'y ai mangé. Vraiment, j'étais énervé. Parce que là, ça a baissé en qualité. Non, 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 non. Et allez, c'est parti. Ils font de la bêtise. Voilà. Salut, Reptile. Oh, salut, Lyric. Ça va? J'espère que tu vas bien, Lyric. Oh, Lyric. J'espère que vous aimez le Danone, les gens. Oh, Danone. Il y a écrit quoi devant? Danone, c'est des yaourts? D'accord. Fruit on the bottom? Moi, quand je vois le mot bottom, généralement, ça m'inspire pas confiance. Je vais pour dire que j'ai vu ton DM et que je vais y répondre, t'inquiète. Oh bah pas de problème Lyric hein. Et moi même si tu me réponds pas, y a pas de problème hein. Je peux comprendre que des fois les gens ils aient pas forcément le temps et ils voient les messages et ils disent bon j'ai pas le temps de répondre mais voilà. Mais merci, bah merci de ton petit message en tout cas de m'avoir répondu ici. C'est gentil. Oh Lyric. J'espère que tu vas bien en tout cas. Bon écoutez, je crois qu'on est bon. En effet, je n'ai des centaines. Ah. Ah, c'est ça d'être une star, Lyric. Bah du moment que les gens sont là pour toi, c'est le principal. J'ai bien. Ah, bah pas de problème. Plus qu'à 80$. Ouais, on est presque au bout. Normalement, s'il reste un étage, je pense que là, on a tout ce qu'il nous faut comme fric. J'ai regardé le truc de loin, juste pour la claque graphique que j'attendais. C'est pas passé comme prévu. De toute façon, si tu veux voir une bonne comédie musicale, tu rates Greatest Shadowman plutôt que Cats. De base, je suis pas très comédie musicale. Quand j'étais petit, j'ai vu Chanson sous la pluie. Mais j'étais très jeune. Et en vrai, j'avais bien aimé le film.
Mais j'étais vraiment très jeune quand je l'ai vu. Moi, j'adore quand les Pikmin ils sucent le nectar. Ils sont trop mignons. Regardez-les là. Oh là, oh là là. Alors là. Ça sent le boss. Oh là là, c'est quoi ce truc? Il est rouge. Oh, il est trop stylé. Par contre, je vais le... Alors, je vais pas le laisser s'en sortir, là, je vous dis direct. Oh, il est tellement beau. Mais il est magnifique. Franchement, il est magnifique. J'arrive pas à viser sa tête, mais il est très beau. Il me laisse pas complètement indifférent, je vous avoue, là, le boss. Mais il est super beau. D'accord, il est stylé, là, son design. Non, il est génial, il est génial, il est génial. Par contre, j'aime pas les boss qui ne laissent pas le temps de se faire... Oh, qu'est-ce qu'ils font là, eux? En vrai, on s'en sort bien, même en niveau de mort. Finalement, tous les gens qui étaient en mode d'ailleurs, tu vas faire plein de trucs. Alors là, il va reset d'ailleurs. D'ailleurs, il va avoir du mal. Bah, ta mère, je reset, ouais. Ça se passe très bien, vous voyez. Ah, on l'a bien bourré là. La terre, elle est fertile. Il mange pas mes Pikmin. Il est mort. C'est bon, mais j'adore le bruit quand il meurt. Lazare, il va avoir du mal à se crognonieux, Oh, le mecha. Oh, mais alors ça, mon gars, on va se faire du fric, là. Ça, là, là, est... Ça, c'est... Il paraît que... Tellement impressionnant qu'ils l'ont mis dans une ville au Japon. C'est quoi déjà le nom de la ville? C'est Yokohama. Ils l'ont mis à Yokohama, les Gundam. C'est le boss de fin? Non, je pense pas. Mieux que le Holo Holo Bird. On a, alors, il y a des mots que je vais bannir du live, genre Holo Holo Bird. Allez les gars, on récolte. Nous sommes les Pikmin, venez pour vous aider, vos super amis. N'oubliez pas qu'il existe une musique chantée en VF pour Pikmin. Ça, les gens ont souvent tendance à l'oublier. On va vous mettre la musique, vous avez l'air de l'oublier. On va vous mettre la musique, vous l'avez oubliée. Pas... Moi, j'aime pas les gens qui oublient les musiques. Je vais vous la mettre. Et là, Sogei, il va dire « Ouais, femme, mais la musique en japonais, c'est dégueulasse !» Et là, je te dirais « Non, tu l'auras en VF. » Allez, mange ça, Sogei. Fait la même putain de pause. Ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très 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 longtemps. Ah, ce sont les Pikmin. En vrai, j'ai rien contre cette zik. Ah bon, bah ça va alors. Les Pikmin peuvent la chanter, la chanson. Oui. C'est très beau. C'était très beau. Elle est bien cette musique. Oui. Par rapport à la version anglaise de la zik de Fate. La zik de Fate? Je connais pas la musique anglaise de Fate. Fate Stay Night? Cette combinaison est robuste. Quel type d'agression? Les dégâts seront minimes. Ok. Ah, donc ça augmente vraiment ma défense. En vrai, c'est pas mal parce que Olimar et Louis-San, là, ils prennent cher. Hein. Ils prennent tarif quand ils font des bêtises. Allez, en avant, les gars, on y va. Et j'ai 69 Pikmin. Mon chiffre préféré. En vrai, c'est pas vrai, c'est 4 mon chiffre préféré. Bon, là, c'est pour récupérer. En vrai, j'ai rien de plus à prendre ici. Hein. Parce que pour améliorer mes Pikmin, en vrai, je m'en fiche un peu. Parce que je vois que mon radar, il est coupé, donc c'est que normalement, j'ai tout. Ouais, bon, écoutez, on va se barrer, y'a pas d'intérêt à rester. S'en va. Allons-y.
Louis le sait, The Death Stars. Il aime pas le chiffre 4. Parce que ça fait référence à la mort au Japon. Du coup, là, j'ai les 10 000. Ça y est, on a fini le jeu. On a terminé le jeu. En fait, on a même déjà le temps, je pense, de faire votre grotte hardcore, là. Quoique, oula. Oh là là. Ouais, mais s'il y a 15 étages, les gars. Passer de 7 à 15. Oh, c'est pas le fun. Je sais pas si on va la faire, en vrai. Alors, comme ça, tu préfères la mort au 69. Soit, cela serait tes dernières paroles. Non. Oui, vous avez remboursé toute la dette. Putain, mais là, même Tom Nook, il serait fier de moi. Et tout le monde s'est enchaîné, il me semble, le coup de chiffre 4. Ah ouais? Oh, c'est beau. Tom Nook, ils enfileraient une nouvelle. C'est plus fatigant de terminer la dette dans Pikmin que dans Animal Crossing. Donc en vrai, ça me ferait un peu chier, je t'avoue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, c'est l'hyperespace en fait. Pour, l'hyper vitesse, pardon. Bah, et les violets, et les jaunes, et les blancs? Oh merde. Est-ce que c'est vraiment une grosse perte? Oh, la dernière grotte de la zone d'eau. Ah non mais les gars, je vais pas toutes les faire, hein. Faut se décider. Django qui veut la mort du streamer. Ok, on va pas faire ce que dit Django déjà. Les gars, non. On a fini. Bah, allez, j'ai fini, il y a les crédits. Là, je coupe le jeu, personne n'est au courant. Oh, Louis. Laser, il va me donner Louis. Bah ouais. C'est pas grave. Dommage, tu loupes la meilleure upgrade du jeu. Le meilleur. Par contre, c'est rigolo, là, ils ont j'ai l'impression qu'ils ont vraiment filmé en extérieur pour ajouter Louis. Là, ils ont fait le travail de Naga, et vous savez quoi? Eh ben, ils font moins bien que Naga. La vraie fin, on abandonne Louis. Mais là, je connais, c'est Octoplancton. Des JPEG en fond. Non, pour le coup, je crois que c'est des vidéos MP4. Quoique à l'époque le MP4 il devait plus utiliser du WMV1. Remercie Zadia Messerli pour la traduction française. On remercie les traducteurs. Zadia Messerli. C'est pas si mal. Naga il est gentil. Il est gentil Naga. Maintenant, c'est pas mal pour un gros naze. Mais elle est nulle à chier, la musique de fin. En vrai, là, il devrait mettre Louis qui danse avec Fly me to the moon. Maintenant, lui va manger les monstres de cette planète. Bon, en tout cas, faut bien qu'il se nourrisse, hein. Le pire, c'est qu'il peut pas enlever son scaphandre. Hein. Il peut pas enlever son scaphandre, Louis. Jour écoulé. 17. Pikmin perdu au combat 223. Ouh. Pikmin brûlé. Un seul. Allez, bam. Pikmin noyé 7. Électrocuté 8. Explosé 0. Empoisonné 3. Né 794. Rouge né 290. 135 jaune. 280 bleu. 50 blanc. Eh, tout pile. 39 violets, mais de toute façon les violets ils surpassent les autres en nombre. Donc. Temps de jeu total 9h36, ok. Et bah ok, ma foi. C'est pas la vraie musique de fin. Le truc c'est que Louis mange vraiment tous les monstres. C'est une blague ou pas? Aïe 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 aïe, on va dire oui pour faire plaisir hein, les gens.
Grâce à vous, notre entreprise est sauvée. Hurrah! Quoi? Il reste d'autres trésors? Mais vous avez trouvé une mine d'or! Si nous parvenons à trouver tous les trésors, nous serons enfin riches! Louis! Mais où est Louis? Quoi? Vous avez perdu sa trace? Dans ce cas... c'est moi qui vais vous accompagner. Non. Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Ah, et lui, il a un vaisseau en or. Bien sûr. La nouvelle zone. On y va. Explorons la nouvelle zone.